English lessons for beginners. Hello. How do you do? Let me introduce myself. My name is Mike. Welcome on the website ALEOT, Eliot. I'll be your teacher throughout your English training. Bonjour, je m'appelle Mike. Je serai votre professeur tout au long de votre apprentissage de l'anglais et bienvenue sur le site de aleo.fr. Très rapidement, la méthode ALEO, qui est un nom à double sens, à partir de zéro, donc de zéro connaissance en anglais, eh bien, il vous sera possible, petit à petit, d'aller plus haut, d'aller haut. ALEO est un acronyme qui veut dire apprentissage d'une langue étrangère orientée terrain. En quoi consiste cette orientation et cette méthode? Eh bien, vous allez apprendre petit à petit et rapidement l'anglais. Nous allons commencer non pas par apprendre par cœur des verbes réguliers, des verbes irréguliers, du vocabulaire et de la grammaire à n'en plus finir, mais nous allons commencer par étudier quelques bases de l'anglais très rapidement et petit à petit progresser dans la méthode afin que vous puissiez parler très rapidement l'anglais sur de l'usage courant, c'est le côté orienté terrain, de manière à ce que vous puissiez à la fois lire des données informatiques en anglais, lire des documentations techniques le cas échéant, puisque nous aurons également donc des formations orientées techniques, informatiques, électroniques, avec les vocabulaires appropriés dans les domaines. Mais bien entendu, nous vous donnerons la possibilité d'aller un peu plus loin, car pour parler, il faut comprendre, donc il faut aussi écouter, il faut répéter, il faut suivre les cours et travailler effectivement un minimum chez soi, ça c'est évident, pour tout d'ailleurs. La méthode vous offrira la possibilité de réaliser des exercices sur papier. Vous pourrez donc télécharger des documents qui seront à votre disposition sur Internet au fur et à mesure des cours. Vous aurez donc les vidéos que vous pourrez consulter à souhait, soit chez vous, en dehors de l'Internet, il suffira de les télécharger, soit à partir de l'Internet sur YouTube. Vous aurez des contrôles, vous allez donc avoir une progression. Pour parler, pour écrire, il est évident qu'il est nécessaire d'avoir un minimum quand même de grammaire. Alors la grammaire, nous allons petit à petit l'acquérir. Si vous n'aviez pas acquis un minimum de grammaire et forcément de vocabulaire en français, vous ne pourriez pas parler ni écrire en français. Donc il n'est pas question non plus d'apprendre toute la grammaire anglaise par cœur, loin s'en faut. Petit à petit, nous allons travailler sur les éléments fondamentaux en commençant par exemple par le nécessaire dans une phrase, les sujets, les verbes, les auxiliaires. Vous verrez que les auxiliaires les plus utilisés en anglais comme en français, ce sont les auxiliaires être, les auxiliaires avoir, donc to be, to have, et un auxiliaire qui est assez courant en anglais, c'est to do, qui sera très largement utilisé en tant qu'auxiliaire lorsque vous aurez donc des questions à poser. Enfin, sur la grammaire, vous verrez que nous avons une approche qui sort de l'ordinaire. Nous allons voir et comparer très rapidement les temps en anglais et les temps en français, et surtout, nous allons être capables très rapidement de faire la distinction entre des temps au présent, au passé, au futur et les différentes formes. Je vous invite donc à suivre les premiers cours et bien entendu à réaliser les exercices écrits, les exercices sonores, les répétitions et éventuellement à assister aux cours en présentiel qui vous permettront d'aller plus vite et plus loin. Enfin, sur notre site web aleo.fr, vous avez toujours la possibilité de me contacter et de poser des questions éventuelles, soit sur les cours, sur les contenus. Et toutes vos remarques constructives seront les bienvenues. À bientôt donc dans les cours. See you!
English Lessons for Beginners.